Salut guys, MonoGP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est en PR47, petite journée de démo. On va essayer quelques bikes. Le premier bike qu'on va essayer, ça va être un Spech. Ça va être le Spech Enduro, grandeur S4, fait que c'est le bike à comète, avec un KI500 en arrière qui est beaucoup trop raide pour moi. Mais, quelques petits virages sur le Spech Enduro, je peux vous dire tout de suite que le feeling est incroyable à monter. Anti-squat, vraiment cool. J'aurais pris un cas, il y a une petite affaire plus mou si ça serait le mien. Mais pour tester, ça va être vraiment cool. Fait que le Spech Enduro, je ne mentirais pas, c'est un marque que j'ai en tête déjà depuis 2 ans à peu près. C'est un marque que j'avais très hâte d'essayer. Est-ce que ça pourrait être un bike potentiellement pour l'an prochain? Qui sait? Ça fait qu'on a 1 heure sur le bike, on va se dépêcher. C'est de monter le plus vite possible, aller faire une petite descente ou deux. J'avais peur que ce soit un bike qui soit très pesant à monter, tu sais, très vache, pas en tout. Pour vrai, l'anti-squat me rappelle justement celui des Levo que j'avais essayé l'an passé. Tu sais, j'aurais aucun stress de pédaler ce bike-là. Tu sais, aller faire de la trail puis tout. Fait que non, les premiers mètres sont très très bons. On monte ce bike-là en haut, puis ça va descendre. J'allais me lancer dans la pad. Je me suis rendu compte que le bike est genre full rebond, fait que je vais prendre le temps de faire une petite cama pour confirmer que tout est beau. Ça fait que, après ma première montée, je peux vous dire que le Spech Enduro est un bike premium qui feel comme un bike premium. Là où certains enduros peuvent filer vraiment gros, c'est bumpy un petit peu en montée. Le Spech Enduro, pour vrai, feel léger, tout est à sa place. Tu sais, le carbone feel vraiment tight. C'est pas les features que toutes les bikes ont, mais c'est une des premières affaires que j'ai remonté en montée. Pour la descente à cette heure, écoutez, c'est mes premiers mètres en Spech Levo, fait que j'essaye de voir un peu ce que je peux vous dire. Je peux vous dire que le feel premium que j'avais en montée est présent aussi en descente. Qu'est-ce que Comet me disait, c'est que en début de course, le bike feel bien. Puis comme beaucoup de bikes avec beaucoup de travel, tout se passe quand tu prends de la vitesse, quand tu amorces les suspensions un petit peu plus de manière active. Comme on va voir, en prenant un petit peu de vitesse dans la cama, là, comme je vous dis, j'ai un KI500 sur le bike, c'est un petit peu raide pour mon poids plume. Mais quand même, ça va donner une bonne petite idée de comment ce bike-là se comporte. Je peux vous dire, out of the gate, que le bike est ultra stable. Ultra, ultra stable. Aucun petit sautillement. Aucune petite hésitation. J'ai une petite affaire là ce matin. On vient de se lever. L'affaire que j'aime, c'est qu'il file pas trop long, même pour un S4, je peux faire des changements de direction quand même assez rapide. C'est sûr, c'est un gros bike pour faire la cama, mais comme je m'enlignais dans le pad, je me rends compte que juste mettre de l'air, c'est pas assez pour bien setter les suspensions. Fait qu'on confirme ici, puis on va aller faire du plus gros stock après. Mais oui, le bike veut de la vitesse, il veut accélérer. C'est pas quand même bien. J'ai vraiment le feel premium que j'avais sur le Stunt Jumper Evo que j'avais essayé l'an passé, qui était un petit bike, on s'entend. On dirait vraiment plus une version Monster Truck du Stunt Jumper, que je vais même essayer le nouveau Stumpy dans tout justement. C'est avec très gros bike, très impressionnant. On va aller avec celui-là à droite pour aujourd'hui. Puis, évidemment, je commencerai pas à faire un review des pièces parce que plusieurs builds de disponibles. Je peux vous dire que celui-là, un Zeb, il y a un Super Deluxe Koi, code RSC, sinon les petits classiques
Ça fait que je passerai pas trop de temps là-dessus. Ouais. Vraiment un beau feel premium. C'est le genre de bike qui serait incroyable justement avec un fast. Quelque chose comme ça. Un beau coil avec un damper. Ça! Ok, la fourche est pas pire. Aïe aïe aïe! Wow! Deux montées, une descente et je suis déjà brûlé. Ben, c'est le festival de l'humidité. Bon, fait que là, l'espèce enduro est un petit peu plus seté pour mon poids. Fait qu'on va aller faire une vraie grosse piste. Le Valkyrie est fermé, ça fait que ça va être une petite bad. La piste de prédilection pour mes tests. La chute de prédilection pour mes tests. Hop. Parfait, ça passe la chute. Le bac est bon. Mais pour vrai, je sais que je vous la montre souvent la pad. Mais c'est sûr que quand on a 45 minutes pour tester un bac, on peut pas aller partout dans le réseau. Et le bac étant pas toujours à champ pour champ. C'était nos settings. On y va avec ce qu'on connaît. Fait que la petite pad. Tout de suite, je peux vous dire que le Special Enduro est très rapide dans la pad. Versus mon rec qui mange le terrain, mais qui n'est pas très rapide. La première fois que je prends cette ligne-là, c'est intéressant. Oh. On travaille l'approche, mais bon. Tout de suite, quand on a une compression, le spèche revient tout de suite à sa place. De manière rapide et précise. C'est ça que je vous disais tantôt, le petit feel premium. On sent que tout est parfaitement seté sur le bike. Hop. Pas mes meilleures lignes, mais j'allais vous dire que carbone fire vraiment premium, pour vrai, c'est tight, c'est précis. Ouais, il y aura une petite affaire rapide encore, pour ma préférence. Mais tout de suite, quand j'ai des impacts un petit peu plus gros comme ça, là, que je viens d'avoir, le bike répond de manière, écoute, à peu près parfaite. Pour vrai, là, qu'est-ce qui arrive à droite ici? Je suis tombé curieux. Là, la palette est un peu mouillée, il y a beaucoup mouillé cette nuit, je vais juste faire attention à ce que je fais en vous parlant. Ah. Aïe aïe! Tout qu'un lap intéressant pour vrai. Je suis content, le chainring et les pédales passent moins proche que mes autres bacs. Ah. Ouh! Ouais, allez, je serais curieux d'essayer avec un coil un petit peu plus seté à mon poids. On est quelle heure? J'ai 10 minutes. C'est poil. On va finir la pad. Je me suis un petit peu fait inviter par Oli pour venir essayer la nouvelle mouture de la haute de la Valkyrie. Officiellement, il va y avoir un tape rouge. Fait que je veux comme pas couper la fin de la pad, aller faire ça, puis me faire chicaner par un patrouilleur. On va voir. Oh! En finissant, à quoi je pourrais vous comparer ce bike-là? C'est sûr, c'est très différent de mon genre de bike que je roule depuis à peu près 3 ans. En termes de travel, c'est exactement le même travel que le Process X que j'avais très... J'avais essayé dans cette piste-là. Deux bikes très différents, par exemple. Le Process S filait vraiment plus comme un trail bike avec énormément de travel. Fait qu'il était 170-170 aussi. Mais maintenant, je me dirais, hey, je veux vraiment
un gros enduro, le Process X. Je dis pas que ça serait pas mon choix, je vois exactement c'est pour quel genre de biker. Mais il filait plus long, il filait un peu plus autobus scolaire, mais il mangeait le terrain à peu près de manière parfaite. Lui, il fait à peu près la même chose, à peu près le même feeling, mais il feel plus court, feel plus playful. Est-ce que ça enlève à la stabilité? À date, je vous dirais que non. C'est sûr, le cas, il est quasiment... Ça enlève trop pesant pour mon poids, mais bon, on fait ce qu'on peut. Mais c'est ça, pour le même travel, évidemment, les chiffres sont pas pareils, la plateforme est pas pareille, on s'entend. Là. Pour mon genre de biking, je crois que ça serait beaucoup plus dans mes cordes qu'un bike comme le Process X. Je vais même pas vous comparer avec le Dread parce que ça donne rien. 4 minutes. Ça va être serré. Savez-vous quoi? Je vais attendre d'avoir mon bike. Je connais pas la piste. Je sais pas comment que ce bike-là jump. Puis sur le papier, elle est fermée aussi. Et ça va être une voisine finalement, surprise. Fait que. On va faire une petite affaire plus new school. Comme la voisine qui va être refaite par nos amis d'Empire 47. Ils viennent de finaliser la Valkyrie et la VG va être la prochaine. Fait que les 3V vont avoir une belle petite cure. Fait que, ouais, rebond, petite affaire trop rapide encore de mon côté. Mais, pas mes meilleures lignes, mais une maudite belle piste pour aller vite. Ok, le banc est très rapide. Le banc est plus rapide que qu'est-ce que je connais. Sacrément que c'est rapide. Ok. Disons que ça serait mon bike. C'est sûr que je passerais plus de temps à ajuster les suspensions. Mais pour un premier essai, je dirais que c'est impressionnant. Est-ce que le bike manque de la vitesse pour vrai? Là où en commençant, dans la caméra, j'étais comme... Je voudrais un petit peu plus de vitesse. Je voudrais que le bike m'en donne un petit peu plus. Dans la voisine, je voudrais que le bike m'en donne un petit peu moins. Tu sais, pour une piste mouillée, avec des suspensions pas 100% ajustées à mon poids, puis des coups d'RSC qui, je crois, vont se faire blider bientôt. J'avais un petit peu plus de vitesse que j'ai, mais c'est correct. Alors, le Special Enduro. Que le test se termine dans 2 minutes, fuck. Plus vite. Je pense que c'est la troisième fois que je l'ai dit, mais le bike feel premium pour un 170-170. Tout est hyper tight. Autant avec certains bikes que j'ai, je me dis, bon, j'ai un gros bike, il va me falloir un trail bike pour, tu sais, vous savez, faire de l'entraînement, faire de la montée, whatever. Sur ce bike-là, je me dirais, ok, ça serait mon seul bike, ça serait parfait pour tout faire. Oh, ça a été changé. Parce que même à ce travel-là, ça file hyper tight. On est haut dans notre travel. Le bike est quand même assez maniable pour un 29. Ça, c'est impressionnant. Le bike file très lively. Je dirais que je suis positivement impressionné par ce bike-là. Je crois que c'est le bike qui m'a le plus impressionné dans les dernières années. Je peux pas vous dire depuis lequel. Des petits vibes, un petit affaire comme mon rec à certains niveaux. Pas la même plateforme, pas playful comme il peut être, mais définitivement plus stable et rapide. Ce qui est un gros avantage. Ça fait qu'en... Combien de kilomètres que j'ai fait? 9,6 km, est-ce que je peux vous dire... Si le Special Enduro est un bon prospect, je dirais que c'est un excellent prospect. Je vous invite à peut-être faire un petit bike test dessus. Savoir c'est quoi votre grandeur, savoir si vous l'appréciez. Mais je suis impressionné par ce bike-là. Je retourne le porter et on va aller voir le Stunt Jumper. 1 minute en retard. Oh non, je vais me faire chicaner. 1 minute en retard. Oh non. Quand même pas pire à l'heure. Impressionnant.
Ouais. Très impressionnant, ça mange le terrain. Le col est un petit peu raide, c'est sûr. Ouais. Mais pour une première run, j'ai fait Kama, Pad et voisine. Très impressionné.